Est-ce que vous connaissez l'organisme La Ressource, cet organisme qui vient en aide aux personnes handicapées partout sur le territoire? C'est un service absolument extraordinaire. C'est fou la quantité de gens, effectivement, qui vivent avec, malheureusement, qui vivent avec un handicap, qui dépendent de cette aide. Et les 19 et 20 janvier prochains, justement, il y aura toute une fin de semaine d'activités afin d'aider cet organisme. On parle d'un objectif quand même de 300 000 $. C'est pas mal de sous. Et nous serons plus qu'heureux, nous, à Télégaspé, de diffuser justement le Téléradioton qui aura lieu le 20 janvier. Fait que pour avoir les détails, non seulement sur l'organisme en tant que tel et les services qui sont offerts, mais aussi pour en savoir davantage, à savoir comment donner ou comment aider justement La Ressource, mais on a discuté avec Thérèse Sirois, qui est la directrice générale de l'organisme La Ressource. Tout d'abord, bonjour Madame Sirois. Bonjour. C'est donc aujourd'hui qu'avait lieu la conférence de presse pour La Ressource, en prévision de l'activité annuelle majeure qui se tiendra les 19 et 20 janvier prochains. J'aimerais tout d'abord savoir exactement, et pour le public en général, savoir exactement la Ressource en tant que telle, qu'est-ce que c'est que cet organisme? En fait, La Ressource est un organisme qui est là depuis maintenant 22 ans. On en est à notre 22e Téléradioton. Pour vous faire un petit historique, La Ressource, on était anciennement l'association de paralysie cérébrale qui faisait un Téléradioton ou un Téléthon. Plus à l'époque, c'était vraiment pas Téléradioton, c'était pas la même formule tout à fait. Et ça se passait là, sur les grandes chaînes télé et tout ça. Et c'était quelque chose au niveau provincial. Donc, nous ici, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, les gens ont toujours été très, très généreux. Et ce qui arrivait malheureusement à l'époque, c'est que les sous étaient amassés en région, retournés dans les grands centres et redistribués au prorata de la population. Donc, à un moment donné, La Ressource a vu le jour parce que ses membres, parce que des personnes handicapées se sont mis à dire, écoutez, on est généreux, la population est généreuse, mais on veut que ça nous vienne en aide à nous directement chez nous. Ce qui nous revenait, c'était vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on amassait. Donc, c'est là que La Ressource d'aide aux personnes handicapées a vu le jour pour pouvoir aider les personnes qui sont chez nous. D'accord. Et au niveau de ce que fait La Ressource justement auprès des personnes handicapées, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, nos services sont quand même assez larges, mais pour vous dire, nous, on arrive souvent quand le réseau de la santé peut pas répondre aux besoins des personnes, que ce soit point de vue des équipements spécialisés, achat d'équipements spécialisés, de l'aide financière pour du répit, gardiennage, pour que les parents puissent prendre un temps d'arrêt, les parents et les familles, parce que souvent, on dit les parents, mais quand on est moi-même parent de deux enfants handicapés, quand on est parent d'enfants handicapés, on est parent, on est toujours parent toute notre vie dans toutes les situations, mais on est responsable de nos enfants jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il y a des gens qui viennent vraiment épuiser tout ça et qui ont besoin de soutien. On aide aussi au niveau du logement. Il y a une subvention avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec qui est versée aux personnes handicapées pour les aider à défrayer leurs coûts de logement quand ils sont dans un appartement privé. Quand ils sont déjà en HLM ou autre forme de logement subventionné. Donc, je vous dirais que c'est très, très, très large, mais notre plus grand, la plus grande braquette là, de notre financement, c'est vraiment au niveau des équipements spécialisés. Vous savez, quand les gens apprennent qu'ils ont un handicap, ils vont avoir souvent besoin d'être outillés afin de poursuivre leur intégration, afin de poursuivre, de garder leur autonomie le plus longtemps possible, de rester chez eux le plus longtemps possible. Et malheureusement, parfois, dans le réseau de la santé, avec les programmes qui existent déjà, ces gens-là ne correspondent pas à tous les critères d'admissibilité et se retrouvent sans réponse à leurs besoins. Fait que c'est à ce moment-là que les spécialistes, les ergothérapeutes, physiothérapeutes, nous réfèrent les gens à La Ressource. Et nous, bien, selon nos budgets, bien sûr, on est toujours tributaire de nos budgets, mais c'est là qu'on entre en ligne de compte et qu'on vient en aide à ces gens-là. Et vous, ce que vous faites, est-ce que vous financez des organismes ou est-ce que vous financez directement les individus? On finance directement les individus. Ce sont des membres à La Ressource sur l'ensemble de notre territoire. On a tout près de 1200 personnes et familles qui sont membres chez nous. Donc, on couvre quand même un très grand territoire là, qui s'étend de la Pocatière jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, c'est quand même assez grand. Et ce sont vraiment les personnes que nous subventionnons directement
Parfois, ça arrive qu'on a des activités ou des organismes vont organiser un voyage de groupe, exemple, pour vous donner quelque chose en exemple. Il va y avoir une sortie de groupe. Plusieurs personnes vont pouvoir en profiter ou veulent en profiter. Ces gens-là n'ont pas tous les sous pour faire le voyage ou pour faire l'activité. C'est qu'à ce moment-là, avec certains organismes, on va faire des projets communs, là. Mais le plus fréquemment, je vous dirais que la majorité du temps, c'est directement la personne à qui on vient en aide. Et les gens qui sont admissibles pour recevoir votre aide, comment est-ce que vous choisissez justement les gens que vous allez décider d'aider, outre le fait de la disponibilité des sous, bien entendu? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, les critères d'admissibilité à la ressource, c'est que les personnes soient reconnues comme étant une personne handicapée au sens de la loi. Donc, l'âge de 0 à 99 ans, on n'a pas de critères d'âge comme tel, mais que ce soit une personne reconnue comme étant une personne handicapée avec un diagnostic ou en attente d'un diagnostic, parce que très souvent, on sait bien que les diagnostics, ça peut être long avant de le recevoir, mais les besoins sont quand même là de ces gens-là. Donc, c'est toujours sur référence, la majorité du temps, je vous dirais, d'un spécialiste de la santé qui connaît une personne ou qui a comme client une personne qui a des besoins particuliers et qui ne peuvent pas être répondus par le réseau. Ils ont tout essayé. Fait qu'à ce moment-là, c'est chez nous là, que ces gens-là sont référés. D'accord. Et en termes de handicap, est-ce qu'on parle uniquement de handicap physique ou est-ce que ça peut être également des handicaps intellectuels? Oui, toute forme de handicap physique, intellectuel, chimique. Il y a des gens qui ont des besoins particuliers à ce niveau-là aussi. Donc nous, c'est vraiment toutes les formes de handicap. Il n'y a pas de seulement une catégorie là, de personnes. Je vous dirais que la seule restriction qu'on a vraiment, c'est qu'on doit faire malheureusement la différence, parce que faute de budget, on doit faire la différence entre les personnes handicapées ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Fait que pour nous, au niveau des... on sait qu'il y a beaucoup de besoins au niveau des personnes âgées, là, que plusieurs personnes auraient besoin d'aide, mais malheureusement, on n'arriverait pas à fournir... au niveau des personnes âgées là, qui sont en perte d'autonomie. Mais à partir du moment où il y a un diagnostic de handicap qui est là par un médecin, par un spécialiste, à ce moment-là, ces gens-là peuvent devenir membres chez nous. D'accord. Et là, on en arrive justement, c'est que vous aviez ce matin donc cette conférence de presse annonçant l'activité annuelle majeure qui sera toute une fin de semaine, les 19 et 20 janvier prochains. Quand on parle de cette activité annuelle majeure, on parle d'un téléradioton et d'un spectacle en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu un aperçu? Oui, tout à fait. En fait, le spectacle est le 19 janvier. Ça se passe à la salle des Jardins TELUS de Rimouski, parce que toutes les installations sont là et tout ça. Ce spectacle-là est capté par Cogeco et nous TV. Ce sont nos partenaires là, des 22 dernières années. Et le lendemain, ce spectacle-là est rediffusé sur toutes les télés communautaires. Vous en faites partie d'ailleurs. En effet. Sur l'ensemble de notre territoire. Et là, ça devient le téléradioton. Donc, durant cette journée-là, comme tout bon téléthon, les gens auront des numéros de téléphone dans le bas de l'écran où ils pourront appeler pour faire leurs dons. On a énormément de bénévoles qui sont en place un peu partout sur le territoire, qui font aussi des appels, qui font la sollicitation envers les différents donateurs là, partout sur notre territoire là, afin de nous aider à atteindre notre objectif, qui est quand même de 300 000 $ là, pour tout l'ensemble du territoire. Et là, est-ce qu'on a une idée un peu des artistes, des porte-parole, des spécificités de cette année? Oui, en fait, on a à nouveau cette année à l'animation notre ami Dave Richer, qui est là depuis de nombreuses années. Dave est avec nous, je vous dirais, ça doit faire 10 ou 11 ans là, qu'il est là. Dave vit avec une paralysie cérébrale. C'est un artiste là, qui travaille à Montréal et tout ça, on l'a vu. On a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans quelques émissions télé et tout ça. Ensuite, cette année, on a la chance d'avoir Kevin Parent qui sera là avec nous
Écoutez, ça fait 22e, je pense qu'on a dû essayer de l'avoir à toutes les années, puis les planètes étaient jamais en ligne, mais cette année, il sera là avec nous, fait qu'on est vraiment contents. Marco Cagliari, qui est là aussi depuis quelques années avec nous, qui fait une co-animation avec Dave Richer, qui est un homme de grand cœur également, qui met le party dans le party va prendre sur la scène, c'est sûr et certain. Pascal Picard, qui sera avec nous aussi cette année. Monsieur Yves Lambert, de la Bottine Souriante, lui et Marco à Montréal. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir des spectacles que ces deux gars-là ensemble font. Ça devrait être assez intéressant. On a également Radio-Radio qui seront des nôtres cette année. Et Alan Prater, que les gens connaissent peut-être un peu moins. Mais c'est un homme qui fait du soul, c'est vraiment une voix assez extraordinaire. Il a joué entre autres cet homme-là avec Kool & The Gang. Il a été choriste pour Michael Jackson. Donc, je pense qu'on va avoir une belle brochette d'invités. Et on a peut-être un ou deux autres invités, là, deux autres artistes qui sont à confirmer d'ici les prochains jours, là, qui pourraient se joindre à cette belle brochette d'artistes. Là, qui sont eux sous la direction musicale de Alexis Dumais, il y a plusieurs années, il y a un band de musiciens bénévoles qui ont accepté de former, nous on l'appelle le Biz Band, pour l'occasion, pour le Téléradioton, et ces gens-là font un travail extraordinaire pour accompagner là, tous les artistes qui sont lors du Téléradioton avec nous. Mais c'est effectivement, c'est une brochette, mais plus qu'impressionnante, en effet, ça a dû demander énormément de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est un fait. Ce qui est, je vous dirais, le plus stressant un peu dans tout ça, parce que ces gens-là, il faut vraiment préciser qu'ils viennent tous bénévolement. Il n'y a pas de cachet de rattaché à leur venue dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Fait que souvent, on a des confirmations de dernière minute. On leur demande quand même en janvier de descendre dans le bas du fleuve, ce qui est quand même de descendre ou de monter, tout dépendamment d'où ils partent. Ce qui est quand même pas rien, mais c'est des gens, quand qu'ils ont accepté, qu'ils repartent à chaque année en nous disant, écoutez, ils repartent remplis d'amour, ces gens-là sont contents d'être venus, puis ils nous disent, ben si vous voulez, on peut revenir l'année prochaine, on serait contents, mais on essaie vraiment à chaque année de varier les artistes, d'avoir de nouveaux artistes, puis de faire découvrir des talents aussi aux gens là, qui sont avec nous lors de ce week-end-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la cause est plus que noble. Mais dites-moi, en terminant, je voudrais avoir quelques petites informations pour les gens qui s'intéresseraient. Par exemple, pour participer ou pour être présent au spectacle, est-ce qu'il y a des billets disponibles? Oui, tout à fait. Les gens peuvent se procurer des billets chez Spectacle Rimouski. Ça peut être fait directement en ligne par le site Internet. Ça peut être fait ici, directement au bureau de la ressource, au bureau régional, en appelant 418-722-7233. Il y a différentes façons. Aller jusqu'à la fin de semaine, c'est les radiotons. Les gens peuvent nous écrire un courriel. Les gens qui sont intéressés, qui seraient les Gaspésiens, qui seraient dans notre région ce week-end-là, ça nous fera plaisir de vous recevoir chez nous. D'accord. Ensuite, deuxième question, c'est au niveau des dons pour ceux et celles qui voudraient donner, que ce soit pendant le téléradioton ou autrement, comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, les numéros pour chacun des secteurs vont être affichés la journée du téléradioton là, dans le bas de l'écran. Mais les gens peuvent aussi appeler directement en faisant le 1-888-413-7233 ou encore en allant directement sur le site Internet de la ressource ou www.laressource.tv et on a un bouton pour faire un don qui est lié à PayPal. Donc, c'est sécurisé, les gens peuvent faire leur don de cette façon-là. Et plus particulièrement pour ce qui est du secteur de la Gaspésie, que ce soit du côté sud ou du côté nord, ben, tout de suite après le congé des fêtes, là, dans la semaine suivante, dans la semaine du 7 janvier, si je ne m'abuse, on aura des bénévoles qui
déjà commenceront à solliciter la population, à rencontrer, à aller voir les entreprises et tout ça, à appeler les gens pour que les gens puissent déjà faire les dons qu'ils désirent à la ressource. La journée du Téléréseauton comme telle, on a une belle brochette de bénévoles, mais on réussit pas à rejoindre tout le monde. Fait que donc, on commence plutôt que le Téléréseauton, on commence les semaines précédentes, les journées précédentes pour certains secteurs. D'accord. J'imagine, entre autres, que vous avez besoin de bénévoles. Est-ce qu'il y a moyen de soumettre sa candidature? Oui, tout à fait. Là, c'est certain que nous, les bénévoles, c'est vraiment l'essence même de notre organisme. On serait plus là si on n'avait pas des bénévoles avec nous. Donc, si les gens sont intéressés en Gaspésie à faire, à donner leur nom, à devenir bénévole, ils peuvent appeler M. Charles Atkins au 418-797-2234 ou encore Martine Audet qui est du côté sud, du côté de la baie des Chaleurs, dans le 418-534-5676. C'est bien sûr que nous, nos équipes de bénévoles, on veut toujours les agrandir, les grossir, que plus on a de gens qui sont présents avec nous, plus le succès de cet événement-là est encore plus grand. D'accord. Et enfin, une dernière, c'est pour ceux et celles qui auraient besoin de vos services, qui voudraient soumettre une demande d'admissibilité, par quel biais est-ce qu'on peut s'y prendre? Encore une fois, par le site Internet, c'est possible que les gens nous rejoignent. Sinon, ben, en appelant au numéro sans frais, le 1-888-413-7233, les gens peuvent demander à parler à Michel Casey. C'est vraiment la personne qui est responsable pour répondre aux demandes des gens, aux besoins que les gens ont. C'est vraiment Michel là, qui fait la coordination des services. D'accord. Bien, Madame Sirois, merci infiniment pour toutes ces informations. Nous, en tant que diffuseurs du Téléradioton, on sera tout à fait enchantés de vous aider à ce niveau-là. Et puis, on vous souhaite énormément de succès. Bien, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir.